c'est United in Sound par Honor. Merci, merci, merci d'être là. J'ai vu plusieurs personnes passer. Alors, coucou, coucou, coucou. Eh oui, le son fait toujours des siennes. Pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai tout fait. J'ai même trouvé une mise à jour à faire. Donc, je sais pas ce qui se passe. Voilà, ça bug. C'est comme ça. J'ai pas trouvé. J'ai rien touché. C'est voilà, c'est le bordel. Salut Paul. Ça fait super plaisir de te voir. Bis aussi. C'est cool. Merci d'être passé. Alors ouais, bah du coup on va profiter de ce week-end pour discuter un peu. Et bah bon appétit. Voilà. Sinon quoi de nouveau? J'ai vu une question passer en anglais. Yes, I only play on Golden Melody from Honor. And yes, the sound is on in and out, and I can't do anything about this. Unfortunately, I'm completely not possible. C'est peut-être la connexion, j'en sais rien, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Voilà, non, pas du tout problème de gorge, c'est juste que j'avais froid. Rien à voir, et puis en plus c'est joli, c'est rose. Ouais, c'est fait un peu de colère, c'est bien. Quoi vous dire? Il y a quelqu'un hier qui m'a posé une petite question sur Sonic Terry parce que j'en jouais un peu. Alors on a vu ça déjà il y a, je pense, une bonne semaine et demie. Mais je vais vous en jouer un petit peu juste histoire de rigoler. Je ne sais pas si vous avez des petites questions pour moi, pour me mettre sur la voie des thématiques ou des choses dont vous aimeriez qu'on parle à l'harmonica, si vous avez des questions sur lesquelles vous bloquez, sur lesquelles vous jouez tous les jours, quand vous exercez. Sinon, alors, yes, the sound is fluctuating, sorry. Really sorry about that. I always have notifications here. Encore des notifications, du coup, ça a coupé, désolé. Alors. Alors, est-ce que vous avez des questions pour aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions alors pour moi du coup? Est-ce que vous êtes en train de travailler des choses en ce moment? Sur quoi vous travaillez en ce moment à l'harmonica? Alors, comment je bâtis mes impros? Ça c'est très très intéressant comme question. Mes impros, au départ en fait, je les travaillais vraiment précisément. En fait, je prenais la grille du morceau que je devais faire, voilà, vraiment par rapport au truc. Et je m'exerçais jusqu'à ce que je trouve des phrasés qui me plaisaient ou des mélodies qui me plaisaient, que j'essayais de vraiment sur lesquelles je m'attardais pour pouvoir les retenir vraiment. Et ça me permettait en fait d'arriver après sur scène avec déjà quelques idées préétablies, un truc qui ne sortait pas de nulle part auquel je pouvais me raccrocher. Après, maintenant, tout dépend de la chanson évidemment, mais sur les chansons, tout ce qu'il y a de plus simple et évident, par exemple le répertoire que je fais sur scène ou ce genre de choses, ce genre de musique, je vais rester voilà, sur comme par exemple sur des standards qu'on connaît tous, comme ça je vais ouvrir grand mes oreilles et je vais écouter ce qui se passe autour de moi et je vais rebondir dessus, je vais écouter ce que jouent aussi les autres musiciens pour moi vraiment donner cette expression et jouer ce que j'ai envie de jouer à ce moment là ce qui me passe par la tête, et puis en même temps je vais me servir, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, je vais me servir de cette écoute et de ce que les copains vont jouer autour
pour après me donner cette impulsion et me pousser vers l'avant du solo et tout ça quoi. Donc c'est, pour moi c'est vraiment le kiff d'écouter ce que les autres musiciens vont faire, de m'adapter à la chanson. Et c'est toujours ce qui se passe par exemple quand on m'invite sur scène et que c'est pas prévu. Je sais pas sur quoi je vais jouer, c'est pas ce qui va se passer, je connais à peu près le style puisque je vois l'artiste voilà, qui joue sur scène, je vois ce qui se passe. Et puis après, il faut ouvrir grand ses oreilles. Grandes oreilles. Voilà. C'est vraiment ça le truc. Alors, comment je bâtis les solos? Après, comment on démarre? Si c'est ça la question plutôt, eh ben, il faut démarrer en écoutant attentivement et choisir vraiment une chanson que vous auriez envie de jouer. Et travailler. Alors oui, enfin, après vous pouvez étudier la grille d'accords, vous pouvez regarder comment c'est fait. Et l'esthétique, il faut essayer des choses, il faut écouter ce qu'on est en train de jouer pendant qu'on est en train de le faire et se dire voilà, ça c'est joli, ça j'aime moins, donc ça je vais continuer à corriger, ça je vais garder. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait en fait, hein, c'est tout simple. Alors, je ne joue sur des Golden Melody parce qu'en fait, je ne joue que là-dessus parce que j'ai découvert ce modèle quand j'étais vraiment gamine. Et c'est un modèle qui m'a vraiment enchantée par la chaleur du son, par la facilité de jeu aussi, et aussi par le fait que le capot est vraiment fermé de chaque côté, donc il n'y a absolument aucune perte d'air. Donc au niveau du jeu, moi, ça me faisait beaucoup de bien. Salut. Donc du coup, c'était vraiment quelque chose de... Pour moi, d'évident. C'était une évidence de continuer vraiment que sur les Golden. J'ai découvert ça très jeune, en fait. Ça fait pratiquement 20 ans que je joue sur les Golden Melody. Donc pour moi, c'est un truc hyper naturel. Et puis le son est juste, voilà, c'est vraiment bien. Pour moi, c'est le meilleur, c'est celui qui me va le mieux. C'est vraiment celui que je conseille aussi. Les Honor sont particulièrement performants et ma préférence va vers le Golden. Non, je casse pas mes hanches. En fait, je les casse plus. C'est ça les trucs. J'en ai beaucoup cassé, j'ai beaucoup flingué d'harmonica, j'en flinguais, je sais plus, il faudrait que... Ma mère se rappelle. Elle se rappelle combien de cassés d'harmonica par semaine. Salut. Et je pense que je devais casser facile un ou deux harmonicas par mois. Et en fait, c'était à cause du fait que je m'exerçais sur les altérations, donc l'AML était un peu tordue dans tous les sens, ça donnait un truc assez... c'était vraiment pas top, quoi. L'harmonica passait un sale quart d'heure à chaque entraînement, et du coup, bah, après, les harmonicas fatiguent, et les hanches se désaccordent, et voilà, donc, ouais, je sais, c'est chiant, mais je comprends pas, parce que des fois il est très fort, et des fois il est très bas. Donc je suis vraiment désolée pour ça, mais là j'ai rien pu faire de plus, j'ai fait la mise à jour, j'ai réinitialisé les paramètres son, les paramètres réseau, les paramètres machin, les paramètres trucs, j'ai aucune idée. Voilà, malheureusement. On va faire avec les moyens du bord, c'est qu'à de dire. Donc voilà, sinon après, au niveau du bruit et tout ça, moi j'ai jamais réparé les harmonicas, je sais qu'il y en a qui font ça très bien, mais moi pour ma part j'ai jamais été sensible à ça, j'ai jamais réussi à bien le faire. Et je pense tout simplement parce que c'était pas trop. J'avais pas suffisamment d'expérience en bricolage pour faire ça bien. Et en plus de ça, après, on a un souci à chaque fois, c'est d'avoir un son très brillant sur la lamelle qui est toute neuve, et puis d'avoir un son très mat sur les autres et déjà joué, ça s'entend. Donc, ça pour moi, et puis même en termes de sensation, c'est pas pareil. Donc, c'est vrai que moi, je préfère toujours prendre un harmo neuf d'usine, et ensuite je joue avec, et petit à petit. Ah oui, le Golden est très bien pour le blues, parfait. Oui, bah, moi je joue beaucoup de blues aussi. Et tout se fait sur le Golden. Hein. Thank you.
Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Merci beaucoup, c'est chouette, ça me fait très plaisir. À mes débuts, je consacrais combien de temps à l'harmonica? Alors, à mes débuts, quand j'étais gamine, je passais facile entre 2 et 4 heures d'harmonica par jour. Ça, c'est pareil, c'est ma mère qui va s'en rappeler mieux que moi, mes parents s'en rappelleront mieux que moi, beaucoup mieux. Moi, j'ai un souvenir comme quoi j'en faisais facile en semaine largement 2 heures par jour et après j'en jouais aussi tout le week-end. Ouais, samedi entier, entre les cours et tout ça, j'en jouais beaucoup, et puis voilà quoi. Bah ouais, je sais bien, les problèmes au jour. Oui, Golden Melody, un super harmonica. Quelqu'un m'a demandé une photo de moi, quand je jouais de l'harmonica quand j'étais gamine. Que je suis à la recherche d'une photo de moi quand j'étais petite en train de jouer de l'harmonica. Et quand j'aurai remis la main dessus, je vous l'enverrai. Alors, Les Rocket Amp Harmonica. Non, je connais pas. Je connais les Rocket de chez Honor, mais j'ai pas l'impression que ce soit la même chose dont on parle. Les Rocket Amp, AMP, donc ça je connais pas. Par contre, Honor a sorti un modèle qui s'appelle les Rocket et qui est très très bien. Qui est vachement sympa. Et par contre, les trous sont un peu plus gros en fait. Donc pour ceux qui soufflent un peu plus fort, ça peut mieux convenir que moi le Golden, qui a une particularité d'avoir des trous rectangulaire, légèrement rectangulaire en fait, et très étroit. Enfin très étroit, plus étroit que d'autres harmonicas. C'est vrai, il y a des vidéos de moi en concert, en fin de stage d'armo. Ah ouais, ce serait bien de retrouver ça. Ce serait sympa ça. Génial. Alors les positions sur l'harmo, première, deuxième, oui. Alors par exemple, la deuxième position sur l'harmo, c'est très simple, c'est ce qu'on fait naturellement quand on va jouer du blues avec une note principale de 2 aspirés. C'est de la deuxième position. Après, la première position, en fait, ce qui est assez simple pour se repérer comme ça vite fait, eh bien, c'est de se dire que tout ce qui est blues comme on aspire, vraiment le 2 aspiré, c'est la note un peu le pivot tout le temps. Et pour la première position, le petit repère que je donnerais, c'est de chez Honor, les Rockets M. D'accord, alors ça doit être les Rockets en fait dont on parle, donc oui, c'est super ce harmonica-là, j'adore. Et sinon, je disais, la première position, un morceau très simple qui est tout en première position, fastoche, c'est Oh and the Saints. Et en fait, en termes de jeu, vous allez avoir une majorité de notes soufflées, ce qui n'a rien à voir avec la deuxième position où il y a une majorité de notes aspirées. Donc si on va passer de... Ensuite, sur la première position, on va être vraiment sur la gamme de l'harmonica, donc de l'instrument. En fait, par exemple, là, je suis sur un harmon en Do, donc c'est la gamme de Do. Donc ça, c'est typiquement, au Susanna, c'est typiquement première position. Par exemple, quand même, le Saints.
en première position. Par exemple, ce sont des exemples concrets de type de jeu. Et c'est vrai qu'à l'harmonica, c'est une sorte de position, il faut bien comprendre, il faut vraiment comprendre en pratiquant, parce que si, quand on les explique comme ça, c'est super, mais c'est vrai qu'on aime bien les appliquer, c'est plus parlant, avoir une vraie chanson, voilà. Donc, alors, je sais plus, j'ai vu une question passer, je la retrouve pas, puis je n'ose pas toucher, parce que la dernière fois que j'ai touché, ça a tout coupé, donc voilà, mais j'essaie de me souvenir, c'était... Il y avait quelqu'un, il m'a mis un petit message juste au-dessus. Sur les cours d'harmonica, ça me revient. C'est bien de réfléchir un peu. Alors en fait, au départ, j'ai commencé vraiment, c'est avec un petit bouquin en fait. Le Père Noël m'a mis un harmonica avec un petit bouquin. Dessus, il y avait un petit renard et c'était des petites comptines, vraiment un truc fait pour les gamins. Et donc le Père Noël, alias mes parents, moi, faire ça à Noël, alias ma maman, m'a fait la mise, on va dire, la mise du pied à l'étrier avec ça. Et j'ai attaqué donc comme ça pendant plusieurs années, à peu près de 5 à 8 ans, et ensuite je suis arrivée au souffle du blues en fait, à Paris, à prendre des cours d'harmonica, et j'ai pris des cours là-bas avec Greg pendant 6 ans, de 8 à 14. Voilà. Et puis après j'ai attaqué les cours de chant avec Luc Bertin à partir de 14 jusqu'à, je ne sais plus, pendant quelques années. Et puis après voilà, c'était parti comme ça, mais de toute façon c'est un instrument dans lequel on apprend tout le temps. Et puis une fois que j'avais fini mon cursus, on va dire, au souffle du blues pendant ces années-là, après c'est là que j'ai commencé à réfléchir, à me dire, ah bah tiens, je ferais bien un album, ah bah tiens, je composerais bien mes chansons, et puis ah bah tiens, je commencerais bien à écrire des trucs, et puis ah bah tiens, je commencerais bien à les enregistrer. Donc voilà, c'est comme ça que ça, petit à petit, ça a fait le truc. Voilà. Bon ben les amis, je vous remercie beaucoup pour votre présence. On va pas tarder à se quitter. On va se retrouver demain pour la série United in Sound Weekend, comme on fait tous les jours et tout ça. Donc c'est toujours un grand plaisir, extrêmement agréable pour moi de vous retrouver. Donc merci infiniment à vous d'être là tous les jours et de suivre ces lives, ces directs qu'on fait ensemble. Je fais tout mon possible pour régler ce satané problème de son. C'est assez insupportable. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. D'image, ah non, moi j'ai pas de problème d'image. Moi je reste avec les problèmes de son. Alors ça, je sais pas pourquoi. Mais je soupçonne de plus en plus que ce soit un souci que je rencontre avec l'application. Parce que j'ai fait plein de mises à jour et tout ça. Et ça fonctionne toujours pas. Donc. Bon, bref, voilà. Et sinon, une très bonne soirée. Jouez bien. Et à demain, à demain, à demain. D'accord? Ça marche? Allez, ciao! Thank you.